Plus passé 10 000 fidèles catholiques participaient dans un match la prière sorti devant la cathédrale pour Albout dans le stade Silvio Cator, dans l'occasion fête Notre-Dame Immaculée Conception qui célébrait journée lundi 8 décembre. Sous initiative l'Église catholique, pèlerins Sayo tenait la ria pour prier pour pays d'Haïti sorti dans la crise politique là. Après match là, nouveau évêque diocèse pour Libertéa, Monseigneur Kenel Alphonse, célébrait en messe dans stade là côté le mandé fidèle yo mettait la foi dans bon Dieu pour pays a qui prend un souffle. C'était occasion tout pour aumônier chapelle Immaculée Conception l'hôpital général là, Père Franzi petit homme invité tout acteur politique yo mettait tête yo ensemble dans intérêt Haïti. Reportage Robinson Henry et Réginal Jean-Louis. Après deux journées la prière dans le stade Silvio Cator vendredi et samedi, fidèles catholiques dans différents coins Port-au-Prince étaient mobilisés une autre fois encore journée lundi. Dans l'occasion de célébration fête Immaculée Conception, la prière bon Dieu pour le pays d'Haïti, c'est l'objectif qui te mette pèlerin au dehors. C'est bon 3 heures dans l'après-midi, ils étaient en même marche là sous direction Père du Carmel Édouard, qui t'a guidé foule là dans chaque la prière avec support un chat DJ. Sorti devant cathédrale Port-au-Prince là, il était passé dans Monseigneur Guillou devant Palais National ou Oswald Durand pour aller atterrir dans stade Silvio Cator. Haïti ou pas besoin peur, c'est slogan qui était écrit sous maillot plusieurs pèlerins qui t'ai fait un campé devant Palais National pour lancer quelques cris devant mon Dieu pour pays a. Merci à Radio Nationale qui est en direct, qui te permet le peuple de Dieu à vivre la prière ça. Radio RCH 2000, Télévision Nationale qui est en direct. On nous lève pour Radio Soleil qui est en direct. Allez, bon Dieu, Haïti, levez la paix. Haïti, levez la paix. Haïti, levez la paix. Aux environ 6 heures après-midi, pèlerins étaient déjà rempli stade Silvio Cator, côté Monseigneur Kenel Alphonse était célébré en messe, toujours dans le même but. Mande bon Dieu pour Haïti secours, dans un moment difficile de vivre journée aujourd'hui. Dans l'occasion, l'évêque diocèse for Liberté a mis accent sur la foi comme principal outil qui est capable de permettre pèlerins de renverser tout piquant qu'on a sous chemin. Li parle tout concernant crise politique Haïti ap konnen nan mouman sa pendant l'invité fidèle yo la gè koz peyi a nan men bon Dieu. C'est vrai nan si travesse yon moment difficile dans la vie nous comme peuple. Peyi an menacé. Indépendance peyi an menacé. Stabilité peyi an li menacé. Ça veut que m'invite nous frère Maxime yo fait preuve de confiance ramasser courage, la foi nous, pour que nous fassions prier nous, monter pour côté bon Dieu, pour pays ça qui menace, pour pays ça qui fragilise, parce que petit lio, pas voulait mettre tête ensemble, mais pour force la prière nous, capable de changer les conditions pays ça. Nous capables, avec la prière nous, avec toute la prière nous, ensemble, nous capables, changer donné. Sous bois parle aumônier chapelle Immaculée Conception l'hôpital général la Père Franzi petit homme à la même sens à conseiller Alphonse responsable pastoral universitaire a mandé acteurs politiques yo jeune entente entre yo pour nation pas tomber dans kachouboumbé pays a dans même moment seule grâce que t'a mandé maman pour Haïti, c'est aider Haïtiens finalement qu'on les tête ensemble. Tout le monde a remis un bel chaos. 12 janvier, ça pas utile. Personne. Pays a c'est pour nous lier, nous c'est Haïtiens. Pas grand-rien qui pour faire un Haïtien pas entendre ni avec un autre Haïtien. C'est vrai qu'il y a des intérêts divergents, mais orgueil pas mener mon aucun côté. Et m'a rappelé tout le monde, tout le monde qui pensait au chef. Tout le monde qui pense, c'est ça qu'il pense qui peut faire. Le monde qui est plus grand, le monde qui est plus fort, le monde qui a plus de pouvoir, c'est le monde qui est capable de faire plus de concessions dans la vie. Grandeur au monde, ce n'est pas leur composition. Faire mon dire que ça me pense, c'est ça qu'on fait, ce n'est pas ça qu'il faut grand. Leur grand, c'est leur courage pour descendre des fois très bas, pour l'ouvrir bras, pour tout le monde faire un seul,
pour ne pas quitter le pays à tomber dans une situation qui est plus grave comme ça. Marche la prière qui était faite avant Messla, déroulée avec présence plusieurs agents Simon et secouristes, sans compter participation au fanfare par les nationales.